Hey, bonjour les amis, c'est Aki, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 2, le Play 2. Dans l'épisode précédent, nous avons combattu le Drogre. J'espère que vous vous souvenez de ça, parce que c'était très intense pour moi, donc j'ai eu du mal. Je l'ai fait en 4 fois, mais je vous ai passé que une fois, parce que c'était vraiment trop long, donc il est assez long, il est assez. On va faire le siège de Vergen, je crois. Enfin, on va défendre Vergen. J'ai plus mes armes sur moi, c'est normal? En fait, la petite Philippa m'a déshabillé. Donc, hop. Voilà. Avec mon râteau. Ouais. Voilà. J'ai mon râteau. Je m'en équipe. Et c'est parti. Zoltan, prépare la défense de la grande porte. Je couvre les murs. Avec une telle défense, l'épée d'Enselt va se plier en deux. On est prêt, donc faut que je parle à Zoltan. Joli queue de cheval. Alors comme ça, tu es général, Zoltan. Et pourquoi pas maréchal, plutôt? Saskia s'est mis dans la tête que ce serait Yarpen ou moi. J'ai gagné à la courte paille. Enfin, tu es là. Enselt ne devrait plus tarder. Pourquoi? Il serait déçu de ne pas me voir? Il déprimerait énormément, oui. Prêt à accueillir nos invités comme il se doit? Ne t'en fais pas. On leur réserve un accueil aussi chaleureux qu'à une verrue sur le Derche. Un accueil royal. Les nains n'ont qu'une hâte. Taper du Kédouénien. Fais ce que t'as à faire. Et les têtes kédouéniennes tomberont comme des mouches. Kédouénien, on approche! Ils se sont multipliés ou quoi? C'est l'heure du bain d'huile bouillante. Il y a les valves sur le côté des chaudrons. Il faut les ouvrir. Je prends le côté gauche, toi le côté droit. Ok, c'est parti, mon petit Zoltan. On va les déglinguer. Donc les valves sont où? Bonjour. Ah putain, il y en a là. J'ai mon râteau. Prends l'épée. Allez, on y va. On ne se décourage pas. Oui. J'ai compris, Zoltan. Mais il y en a beaucoup là. Putain, j'ai déjà perdu beaucoup de vie. Hein. J'ai vraiment déjà perdu beaucoup de vie. Oui, j'ai compris. Il est chiant un peu, lui. Hein. Mais il y en a plein là, ils montent ou quoi? Putain, mais ils sont en train de monter. Eh bah dis donc. En fait j'ai perdu de la vie alors que j'aurais pas dû
m'en perdre autant. Putain. Je vais changer, je vais mettre la... Je vais mettre l'épée parce que le... Le râteau, merci. On se replie derrière la deuxième porte. Sinon, ils vont tous nous tuer. Repli. Cours pas surtout, hein. C'est pas comme si... Défendez les murs de Vergen, très bien. Je vais regarder quelle est mon épée qui est le plus fort. Ah, c'est mon épée en acier. Bon, on va prendre l'épée en acier là. Ok. Donc après, pour tout vous dire, je ne sais plus où ça nous mène. Je sais que ça nous fait avancer dans l'histoire, certes. Mais où ça nous mène exactement, je ne sais plus trop. Et ça, nous le redécouvrirons ensemble. Enfin, moi, je le redécouvrirai en même temps que vous. C'est cool, là. Donc sinon, les amis, ça va bien. Hein, donc en bas du quai douanien... Tout en discutant, pas peu de temps. Ce n'est pas interdit. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On avance dans The Witcher 2, donc ça va. Hop, 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 allez. On s'en va là, hop, hop, hop. Toi, d'ailleurs. Niveau supérieur, et bah dis donc, on augmente de niveau. Finesse, vitalité 150, Hop, magnifique. Niveau 26. Indique.
Excusez-moi les amis si je ne parle pas beaucoup pendant ce petit combat, mais je n'ai pas grand chose à dire. À part que je vais bien. Et que j'espère que vous aussi. Mais ça, je vous l'ai déjà demandé. Et je vous l'ai déjà dit. Hop. Sinon, à part ça, j'espère que l'aventure, en tout cas, vous plaît. Hein, puis, pour ceux qui me suivent, eh ben, merci de me suivre, parce que c'est super sympa. Pour certains, j'ai des commentaires assez sympas, enfin, même très sympas. Tous les commentaires que j'ai, c'est des commentaires positifs, que j'aime beaucoup. Ça, c'est cool, ça donne envie de sortir des vidéos, malgré le fait que... Que j'ai un travail qui. J'ai un travail assez, assez éprouvant et qui demande beaucoup, beaucoup de mon temps. Du coup, c'est assez dur de faire des vidéos. Mais. Donc, c'est sympa d'avoir des commentaires comme ça quand on n'a pas trop le temps de faire des vidéos. Donc, c'est super sympa quoi. Donc, merci de me suivre. Et j'espère que ça durera. Aussi longtemps que possible, parce que moi ça me plaît de partager mes gameplay avec vous. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est dit. Je peux cocher ça dans ma liste des choses à dire. Bah, c'était pas facile, et voir ces vauriens déguerpir, ça valait le coup. Ils reviendront, ils sont aussi têtus que des nains. Les burnes en moins. Sorceleur, j'ai besoin de votre aide. J'entends ça de plus en plus souvent. Il semble que vous soyez irremplaçable. Sous la ville, un passage souterrain relie le donjon aux mines des nains. Qui connaît ce passage? Pratiquement personne, mais je veux le protéger au cas où. J'ai envoyé un détachement d'éclaireurs, mais aucun n'est revenu. Si Ensel te découvre ce passage, il nous tient. Tu vas pas par quatre chemins. S'ils attaquent des deux côtés, nous ne tiendrons pas. C'est le bon moment. Les lavettes d'Ensel sont en train de panser leurs blessures. Il leur faudra environ une heure pour reformer les troupes et préparer un nouvel assaut. Le temps presse. Je viens avec vous. Je préférerais que vous me confiez un détachement. Je ne réorganiserai pas les troupes maintenant. Telles quelles, la défense est solide. Et à moins qu'ils ne nous attaquent par les mines, nous maintiendrons la position. Soit, c'est vous qui décidez. Très bien. Allez, c'est parti. Je me fiche de la politique. Bon. Mais vous avez pris parti. C'est le parti de Zoltan. Faut croire qu'on a du mal à se reproduire en Kaedwen. Vous les auriez suivis s'ils s'étaient battus pour Kaedwen? Aucun nain ne suivrait Enselt. Donc on suit la belle Saskia. Alors ça nous mène. Restez derrière moi, Saskia. Un sorceleur galant? Encore une surprise? C'est le monde à l'envers. Un petit peu d'action, toujours. Donc dans cet épisode, ça bastonne, hein. Bataille sur bataille. Par contre, tu veux passer? Vas-y, parce que... Donc ça va être un petit peu sombre, les amis, excusez-moi. Excusez-moi pour ça.
Allez. Donc l'épée en argent, hein. c'est plus efficace. Vergen est en danger et la Vierge d'Eidirn court les grottes avec un sorceleur. J'en connais une qui a envie de se faire déflorer avant de mourir. Tuez-les. Tuez-les. Sortons d'épée. Voilà, c'est mieux. Donc toi, là... Le mec en tunique, super. Il y a une grande guerre, le mec il se trimballe en tunique, normal. Je savais les femmes volatiles, mais à ce point... Désormais, vous connaissez mon secret. Il le fallait. Il vous aurait tué. Voilà pourquoi vous avez réussi à combattre cette toxine. Philippa est une grande magicienne. Mais elle n'aurait pas pu sauver une humaine. Vous en savez beaucoup sur nous, sorceleur. Seuls les dragons dorés peuvent changer de forme. Mon père était un noble chevalier. La vie était pour lui une magnifique aventure. Il adorait les humains. Il aspirait à les comprendre. Grâce à lui, je crois en l'égalité de tous les hommes. Et en leur liberté. Mon père disait que l'ordre et le chaos emplissaient le monde. Que le chaos était une agression. Et l'ordre sa parade. Que lui est-il arrivé ? Il m'a appris à vivre parmi les humains. Puis il est parti. Les dragons font ça. Si un dragon aidait les défenseurs de Vergen, Enselt n'aurait aucune chance. Oui, j'y ai pensé. Mais qu'adviendrait-il du haut Edirne une fois le calme rétabli? Il vous faudrait partir. Oui, le peuple d'Edirne me connaît comme la tueuse de dragons. Ils me respectent pour cela. Peut-être pas seulement, mais... S'ils apprennent que je suis un dragon, ils se sentiront trahis. Ils n'auraient pas tort. Je ne voulais tromper personne. Mais tout est allé si vite. Supposons que je révèle ma double nature. Qui dirigera le Wedirn? Qui verriez-vous pour me remplacer? Difficile de rivaliser avec vous, Saskia. Les nains auront leur candidat, les elfes le leur, et les humains chercheront un roi. C'est pourquoi je dois vous demander de garder ce secret pour vous. Nous devons affronter Enselt sans dragon. Et nous gagnerons. Grâce à vous également. Je n'oublierai pas ce que vous faites pour Edirn. Peu importe vos raisons. Allons, les défenseurs ont besoin de vous. Niveau supérieur. Donc Saskia est un dragon, oh là là. Oh là là, oh là là. Déverrouille l'écho ultime sur les groupes. Active une fois les jauges. Il permet la production. On va faire, voilà, on va compléter un peu tout ce qui se passe avant. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Retourner sur les remparts et défendre Vergen. C'est par là-bas. Oui, c'est par là-bas.
Donc on va retourner à Vergen. C'est parti. Dites-moi, Zoltan, où en sommes-nous? On commence à s'amuser. Enselt est en chemin avec son troupeau. Nous allons gagner. C'est tout? Ah! On a des invités surprises! Qui? L'un d'eux est une demoiselle. Un sacré laidron! Il y a du monde au balcon! Vous auriez dû voir la tête de nos hommes quand ces horreurs sont entrées dans la cour. Et pourquoi veulent-ils nous aider? Sorcier, bon! Ennemi de sorciers et ennemi de trolls. Je les connais. Ils peuvent être utiles. Après tout, nous voulons un monde sans préjugés. Quand les hommes ont appris qu'Enselt mènerait personnellement l'assaut, ils en ont pris un coup au moral. Zoltan, dis-leur que s'ils ne croient plus en la victoire, ils n'ont plus qu'à hisser le drapeau blanc. J'ai essayé, mais en vain. Seule Saskia sait motiver ses troupes. Très bien. Rassemble les défenseurs, Zoltan. Pourquoi ce silence? Réjouissez-vous. Le roi Enselt va nous faire l'honneur de sa présence. On va tous mourir. On repoussera pas l'assaut. Enselt est invincible. Nous ne combattrons pas des laquais, mais le roi. Le roi en personne devra reconnaître notre victoire. Que peut-on rêver de plus que de vaincre un monarque? À moins que vous n'ayez peur. Vous voulez qu'on hisse le drapeau blanc? C'est simple. Enselt établira vite ses règles ici. Les auberges afficheront « humains seulement ». Les nains seront dans les mines, les elfes cachés dans les bois. Les seigneurs tueront les cerfs qui ne se courberont pas assez. Est-ce vraiment le monde que vous voulez léguer à vos enfants? Non! Jamais! Vous vous pissez dessus parce qu'Enselt arrive? Mais qui est-il? Un dieu? Non. Il a des bras, des jambes et du sang, comme vous et moi. Et s'il ose passer ses murs, alors nous devrons le faire couler. Oui! Mort à Enselt! Longue vie à Saskia! Certains d'entre vous ne passeront pas la nuit. Certains ne reverront pas leurs femmes, leurs enfants, leurs amis. Mais ils resteront dans notre cœur, et nous honorerons leur tombe quand ils rejoindront la Terre. La Terre des Dirnes. Et ceux qui en réchapperont vivront la tête haute, car c'est ainsi que la vie a du sens. Aux armes et aux murs, donnons une vraie guerre à Enselt! Ok. Je reste là? Non, faut descendre maintenant. Ah non. Ah oui, on a les trolls avec nous. Ouais, c'est parti. C'est reparti. Ok, des petits bugs de son. Y a pas de...
Excusez-moi les amis, si je ne parle toujours pas beaucoup. Mais j'ai rien à dire. Mon dieu. Tac tac. Hop. Assassins et squads de la mort, ou combattants de la liberté engagés dans une bataille inéquitable digne dans leur souffrance. Tout dépend du point de vue qu'on adopte. J'ai aidé Yorvet, je lui ai fait confiance. J'ai rejoint Saskia et pris le parti des rebelles, de leurs idéaux et de leurs valeurs nouvelles. Le temps nous dira si j'ai eu raison. Une chose est sûre. Les elfes sont les meilleurs archers que ce monde ait portés. Yorvet, ça c'est une entrée réussie. Je dois l'admettre, l'écureuil a du style. Tout n'est pas perdu. Nous devons empêcher Henselt de s'échapper. Qu'est-ce que vous racontez? Il a plutôt l'air de se plaire ici. Il va changer d'avis. Rejoignez Yorvet et fermez la grande porte. Yarpen dit que Deadmold l'a cassé. Yarpen n'y connaît rien. Ouvrez-moi! Je vais fermer cette satanée porte! L'issue de la bataille en dépend, cher nain. Aucun problème! Nulle porte ne saurait résister à Zoltan Shivet. Priez-vous un chemin jusqu'à Yorverte. Par ici, peut-être? Non. Par ici peut-être. On peut descendre, non? Oui. Bah dis donc, il faut du temps pour descendre cette échelle. Chez Henselt de battre en retraite. Et puis le forcer à essayer. Pas de temps à perdre! La porte! Encore un niveau? Mais dis donc. Ça en fait des niveaux tout ça. Hop. Nickel. Pardon monsieur, excusez-moi. On peut pas les tuer en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Escortez Austin jusqu'au levier près de la porte. Oui, bah allez. Ah d'accord. Allez mon grand, on y va. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il peut pas genre la tourner, non? Il est obligé de donner une petite coup de hache dessus. Ils sont faits comme des rats. Il faut peut-être se rendre. Sire, vos ordres. Les armes.
C'est terminé, Henselt. Vous avez gagné. Que voulez-vous ? Vous le savez très bien. Renoncez à Aedirne. Signez un acte de reddition inconditionnel. Et promettez que vos troupes ne traverseront plus le Pontard. C'est tout. Vous paierez la reconstruction et reconnaîtrez le royaume libre du Haut-Aedirne avec Saskia de Vergen à sa tête. Qu'advient-il de moi et de mes hommes ? Que nous réservez-vous ? La liberté. C'est un bien très précieux. Voyez combien de mes soldats sont morts pour le défendre. Combien voulez-vous ? Nous parlerons argent en détail à Lokmuin, en présence de témoins de valeur. Saskia n'a rien évoqué pour l'instant. Je vous écoute. Les guerres existent depuis la nuit des temps. Un camp gagne et l'autre perd. Mais les conflits armés devraient suivre des règles et des lois nobles. Où voulez-vous en venir ? Les criminels de guerre comme Detmold doivent être punis. Il me faut un conseiller. Les criminels de guerre doivent être punis. Vous aurez un nouveau conseiller, Sheila de Tancarville. La sorcière a perdu la tête. C'est une condition nécessaire. Detmold a commis un crime. Il doit être puni. Comme vous voulez. Exécutez-le. Ne les laissez pas me traiter comme un chien. Félon de Putestras, vous allez voir comment meurt un vrai magicien. Prêtez serment et vous êtes libre. Avec qui suis-je censé négocier ? Philippa Aelart et moi parlons d'une seule voix. Prenez garde aux magiciennes. Elles oublient vite ce qui commande. Philippa est ma conseillère. Nous attendons votre décision. Moi, roi Henselt de Kedwen, jure devant témoins que je renonce aux frontières edirniennes. Je reconnais le règne de Saskia de Vergen sur le royaume de la vallée du Pontard. Et jure de payer la réparation de guerre qui sera fixée à Lokmuin. Vous êtes libre. Raccompagnez le roi. Il est l'heure, Saskia. Oui. Je n'aime pas ça. Quoi ? Saskia. Je la connais. Elle n'était pas comme ça avant. Ses yeux. On dirait qu'elle a pris du fistec. Pourtant, je sais qu'elle n'en prend pas. Suivons-les. Elles ont disparu. Téléportées. Fouillons la maison d'Aelart. Elle a peut-être laissé quelque chose derrière elle. Bon les amis, nous allons fouiller cette maison et ensuite nous allons nous quitter. Alors qu'est-ce qu'il y a à fouiller par ici ? Fouillons un peu. Je ne trouve rien mis à part de la lingerie. Si seulement ce lit pouvait parler. Yorvet, par ici, j'ai quelque chose. Qu'est-ce ? Un grimoire de potions. On n'a pas le temps de lire. Les magiciennes prennent grand soin des livres comme celui-ci. Alors pourquoi l'a-t-elle laissé derrière elle ? Elle était pressée. Ce grimoire aurait-il un rapport avec la tueuse de dragons ? Sur ces terres, la plupart des choses ont un rapport avec Saskia, le dragon. Tu es au courant ? Elle me l'a dit. Alors ne le répète pas, Gwynbled. Parce que si... Je sais ce qui arrivera s'ils l'apprennent. J'ai la formule du Tomador. Aelart nous a déjà dit les ingrédients du souffre-mage. Ça ne mènera nulle part. En général,
La formule de l'antidote est juste à côté de celle du poison. Je peux même te la réciter. Du sang royal, de l'immortel, un rêve de dragon et une rose de souvenance. Mais ce livre ne parle pas de la rose de souvenance. Eilhart a pourtant bien dit que l'association de la rose de souvenance et de l'immortel guérissait l'esprit. Et si elle avait menti? Et qu'au lieu de guérir l'esprit, ça l'influençait? Philippa a transmis la fleur à Saskia par un baiser, symbole de l'amour et de la perdition. Je suis perdu. Je pense que Philippa a ensorcelé Saskia en ajoutant la rose à l'antidote. Je vais tuer cette garce. Philippa a la magie et un dragon à sa botte. Elle a les armes nécessaires pour convaincre l'Assemblée. Mais que veut-elle? Nous ne le saurons qu'à Lochmuin. Alors allons-y, Gwynbled. Et bien sur ce, les amis, nous allons nous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a eu pas mal de batailles, même si je n'ai pas beaucoup parlé. Elle aura duré un petit peu longtemps, mais... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et tenez-vous bien. Allez, salut les amis, c'était Aki. Ciao.